Bonjour les amis, c'est Mitra Pneuma de Nintendo Alert Station of Play. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour la suite de mes pérégrinations dans Tears of the Kingdom en mode recherche de Easter Egg, de petits clins d'œil à Breath of the Wild. Donc je vous avais déjà fait une vidéo où j'étais venue dans la maison de Link, hein, la maison qu'on a quand même payé un rubis sur l'ongle et voilà. Et je vous ai fait part de ma surprise. Donc en faisant le tour de la maison, donc on arrive par ici, et ici en fait c'est inscrit le puits de Zelda. Bon, soit, donc on va aller voir hein, ce qui se passe dans le puits de Zelda. Alors, il y a des graines lumos déjà dans le puits de Zelda. Ah, il y a un coffre dans le puits de Zelda. Un vieil anneau capillaire. Alors, la patine du temps a fait perdre à cet anneau ses couleurs d'origine, mais il s'en dégage à présent une certaine mélancolie. Attachez vos cheveux avec pour une touche de nostalgie. Ah, elle nous a laissé un vieil élastique. C'est sympa. Donc, alors, on va lire donc le journal de Zelda. Lire le journal de Zelda. Les plaies laissées par le grand fléau ne se sont pas encore refermées. Malgré d'innombrables problèmes, des plans de reconstruction ont été mis au point. Link m'accompagne tandis que je parcours chaque région pour observer leur avancée. Tous ces voyages semblent avoir eu raison de ces vêtements qui sont bien usés, si ce n'est en lambeaux. Bon, elle s'occupe aussi des vêtements de Link, ok? J'ai donc passé commande pour qu'une nouvelle tunique de prodige lui soit préparée. C'est gentil ça. J'ai vraiment hâte de voir sa réaction quand je la lui offrirai. Et pour qu'il ne la trouve pas avant, je vais la cacher dans la salle du trône. Ah! Dans la salle du trône. D'accord. C'est un indice, hein, clairement. En effet, qui pourrait bien se douter que les torches en sont la véritable clé? Ah, donc elle a caché la tunique du prodige dans la salle du trône et les torches sont la clé. Bon, ben, je sais où je vais aller ensuite, hein. Bon, une nouvelle tunique de prodige. Comme quoi, il faut toujours aller se promener. Alors, c'est quoi ces dessins, là? T'en vois? Qu'est-ce qu'elle dessine bien! Pas de Zelda, ça. Alors, bon, ça, c'est Zelda. Alors, qui l'a dessiné? C'est marrant, ça. Et d'autres choses? Un truc il y a beaucoup de grenouilles, bon, voilà. Des grenouilles tempo, mais ça on s'en moque un peu. Regarde si je vois autre chose, mais je me demande en fait, c'est bizarre, qui est descendu là dans le puits pour écrire? Elle est un peu bizarre, Zelda. Donc elle prend, elle s'installe chez Link, elle descend dans un puits pour y écrire des mémoires, des trucs. Bon, attends, voir si on arrive à voir les photos, là. Est-ce qu'on arrive à voir quelque chose? Pas vraiment. Bon, c'est... là, c'est trop flou. J'arrive pas vraiment à voir ce qu'il y a dessus. C'est vrai que c'est des photos de maison, hein, rien de fou. Bon, enfin, la bonne nouvelle, c'est que déjà, c'est le puits de Zelda et qu'on vient de découvrir où se trouve la tunique du prodige qu'elle a commandée. Alors là, vraiment, il y a des questions. Il y a pas mal de questions sur la chronologie de Breath of the Wild et de Tears of the Kingdom. Mais là, ce serait trop rentré dans les spoils et vous n'avez peut-être pas forcément envie d'entendre. Donc, je ferai sûrement une vidéo plus tard. Voilà, en donnant mon avis. Je ne vais pas donner de notes au jeu, mais en donnant mon avis sur les points positifs, les points négatifs et ce que je pense par rapport à la chronologie qui parfois me semble un peu tendu sur certains points. Donc je ferai ça un petit peu plus tard. Je continue ma quête sur tout ce qui est Easter Egg et petites surprises. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça me fait toujours énormément plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye les amis.